Cette rose avait glissé de la gerbe qu'un héros quêteux portait au monument aux morts. Comme tous les gens levaient leurs yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route et m'en allai guérir. Oh, dit bonheur, la chance, un corsage à fleurir, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une rose par devers soi. La première à qui je l'offris tourna la tête avec mépris. La deuxième s'enfuit et court, encore en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête de nageant. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas fleurir de belles inconnues. On est tombé bien bas, et ce pauvre petit bouton de rose a fleuri le veston d'un vague chien de commissaire. Quelle misère! Cette bouteille était tombée de la soutane d'un abbé, sortant de la messe, ivre mort. Une bouteille de vin fin millésimé, béni divin, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route en cherchant plein d'espoir un brave gosier sec pour m'aider à la boire, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par devers soi. Le premier refusa mon verre en me lorgnant d'un œil sévère. Le deuxième m'a dit railleur de m'en aller cuver ailleurs. Si le troisième sans retard au nez m'a jeté le nectar, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas trinquer avec des inconnus. On est tombé bien bas, avec la bouteille de vin millésimé, béni divin. Les flics se sont rincés la dalle, un vrai scandale. Cette pauvre poignée de main gisée, oubliée en chemin, par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords. Et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit de garder une poignée de main par devers soi. Le premier m'a dit fou le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième d'un air dévot me donna 100 sous d'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans ma main tendue a craché, le quatrième c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main, victime d'un sort inhumain, a la terminé sa carrière à la fourrière.